Oh.
Que se divide en la vida, en la vida, en la vida, en la vida.
nous pouvons nous tenir debout. Donc, qui ça fait du côté de Malik Golo? Pour continuer avec l'ordre de l'église. Donc, comment à l'imakat in ecclesia? Nous commençons avec la lecture, notre lecture de chaque jour, 1 Corinthiens 14:33-34. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon qu'il est dit aussi la loi. Dans l'ordre de l'église, que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous assois, je salue les serviteurs de Dieu. Je vois tous les serviteurs de Dieu que Dieu bénisse. Et les années, mon cher diacre, vous pouvez afficher le rappel là. Nous avons vu qu'il y a trois étapes dans le voyage des Hébreux. Et dans chaque étape, il y a un ordre. Et l'ordre doit être faire partie de notre vie. Nous avons dit chaque homme doit être ordonné. Dans son programme, le monde peut appeler ça la personnalité. On dit un homme sans personnalité est un homme sans valeur. Un homme qui a une certaine personnalité, un homme, on dit souvent, c'est un homme ordonné, il a un caractère. Et régner sans caractère est diabolique. Vous voyez donc que l'ordre est vraiment indispensable. Alors nous avons vu que en Égypte il y avait un ordre. Joël, il y a un autre document. Si tu peux allumer croquis 2 là. Voilà. Vous l'avez là au tableau. En Égypte, il y avait l'ordre, c'était le pharaon qui était la tête de tout le peuple de Dieu. Et Pharaon s'était éclaté en chef de corvée. Et en dessous des chefs de corvée, il y avait des Hébreux qui souffraient. Donc même dans l'esclavage, on est toujours dans l'ordre. Et nous avons vu que les chefs de corvée là, dit, ce sont le péché. Quand vous êtes dominé par la cigarette, vous êtes dominé par les corps portables, par la médisance, vous voulez le maquillage pour les jeunes filles, vous maquillez secrètement, vous mettez des bases pour qu'on ne le voie pas. Et on vous dit, mais une femme doit être une fleur. Ces désirs-là, lorsqu'il vous domine, c'est un chef de corvée. Vous êtes esclave de ses péchés. Et c'est eux qui dominaient les Hébreux. Maintenant, nous avons, dans les déserts, ça a changé. Dieu a tué tout le chef de corvée dans la mer Rouge. Celui qui croit doit être libre de tout péché. Pourquoi la Bible dit celui qui est né de Dieu ne pêche point.
C'est par la foi. Et bien, il y a un Branham dit, un enfant de Dieu ne pêche pas, mais il commet des erreurs. Et la différence entre un enfant de Dieu et un Égyptien, c'est qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il tombe, il se met debout tout de suite. Il sait se repentir rapidement. Un Égyptien peut garder un péché inconfessé pendant des années. Un enfant de Dieu ne peut pas supporter vivre longtemps avec un péché. Il sera mal à l'aise. L'Esprit de Dieu en lui va commencer à le tourmenter. C'est ça la différence. Alors lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, il y a ce nouvel ordre. Dieu a donné un ordre à Moïse, construit le tabernacle selon le modèle que je te montre au ciel. Et cet ordre-là, c'est ce qui est appelé l'ordre aaronique. L'ordre d'Aaron. Et la parole confère encore à cela le nom l'ordre lévitique. Vous voyez, les enfants de Dieu marchent selon un ordre, toujours. Dans cet ordre, nous avons vu le premier qui est la tête, pendant que là-bas c'était Pharaon, là c'est Dieu. Oh, Dieu c'est qui? Dieu a dit, Moïse, je te fais Dieu. Et après Moïse, il y avait celui qu'on appelait le souverain sacrificateur qui était Aaron. Et après Aaron, il y avait les sacrificateurs. Et après les sacrificateurs simples, il y avait le premier né. On va essayer d'éclater tout le poids là. Et après le premier né, maintenant venaient les 12 tribus. Et c'était la hiérarchie. On devait respecter ça. Parce que c'était une armée. Vous voyez l'armée, il y a des bataillons. Il y a des compagnies. Donc c'est comme ça. Et ils marchaient en ordre. Derrière, ainsi dit le Seigneur. Et ainsi dit le Seigneur était un ordre dans leur cœur. Ils se souciaient d'accomplir la parole. Ils marchaient selon la parole. D'agir selon la parole. De faire selon la parole. Tout devait être selon la parole. Et dit Moïse était la parole rendue manifeste pour eux. Même leur victoire. Et pendant le Moïse. On devait soulever les bras de Moïse. Et c'est la victoire. Soulever le bras de Moïse. Et quand Moïse baissait ses bras, il perdait la bataille. On ne soulevait pas les bras de Jéhovah invisible. Il y avait Uri et Aaron. Dès qu'il voit, il n'a pas la guerre. Ils ne vont pas aller crier Jéhovah, Jéhovah. Ils vont chercher Moïse. Et Moïse était debout sur le rocher. Quand ils prenaient le bras de Moïse, il élevait. Qui élevait vous? Ils élevaient le bras de Moïse. Il marchait en ordre. On appelle ça sacerdoce de Lévitique. Mais avec ce sacerdoce a des caractéristiques. 1.
C'est un sacerdoce sans servant. Cela veut dire que Dieu n'a pas juré. Or quand Dieu jure, il confirme. Quand Dieu jure, cela veut dire qu'il t'a nommé, mais il confirme. Disons d'abord la restriction de l'arbre épouse. Vous pouvez suivre ça. Vous pouvez suivre ça. La restriction de l'arbre épouse. Vous pouvez suivre ça. Du 20 avril 62. Vous pouvez suivre ça. 90. Ils sont en tout coup les pouvoirs. Voyez. Vous m'avez. Peu importe. Attends que vous. Les circonstances importent peu. Vous allez rencontrer Dieu quelque part. Vous aurez à le croiser. Vous aurez à le rencontrer. Voyez. Pourquoi? Il a proclamé une parole. Et il a mis une loi qui est liée à cette parole. Et la loi, c'est sa propre loi. C'est sa propre vie qui est derrière cela. C'est la raison pour laquelle il jura par lui-même. Il n'y en a pas de plus grand. Voyez, il devait faire un serment. Car aucune alliance ne peut être confirmée sans serment. Et le seul moyen qu'il a pour faire cela, avant qu'il le fasse, il jura par lui-même. Et il devint lui-même le serment. Quand Dieu devint un homme, et qu'il était le serment, il est lui-même devenu le serment. Et par sa propre mort, son ensevelissement, de Dieu, soyez précis. Dieu n'est jamais mort. On a enterré Dieu. Non. Oui et non. Oui, par identification. Mais Dieu l'a quitté à la fois. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Et ce qui est Dieu, c'est un exemple pas de ce qui parle. Pas parler. De la mort, de l'ensevelissement dans la raison sans le corps Jésus. C'est impossible. Même si le nom là énerve nos amis du troisième étage. Par sa propre mort, son ensevelissement et sa résurrection, il a prouvé que ses lois étaient justes. Il a dit, détruisez cet édifice. Je le reverrai dans trois jours. Le remplace quoi? Qu'est-ce qu'on va relever dans trois jours? Ce n'est pas le logos. Et c'est l'autre entité. Je, pronom personnel. Je. Et d'ailleurs, on l'a dit, ça monte. Je le révélerai dans trois jours. Je le rétablirai. Détruisez-le tout simplement. En effet, il connaissait la loi de Dieu. Il savait ce que c'était. Il savait qu'elle devait
convoqué par un prophète. Je ne permettrai pas que mon frère voie la corruption. Et il a réglé la question. C'était réglé. Quand Dieu joue par lui-même, on voit l'incarnation. Parce que lui-même devient le serment. Donc il doit jouer par son propre nom. Sacrificateur sans serment. Lisons Hébreux chapitre 7. Voilà, 371. Observez. Et comme ce n'est pas sans serment, il un pronom, si vous faites attention, si c'est entre lettres italiques. Il a été fait sacrificateur. Pas seulement sacrificateur. Mais il a été fait sacrificateur par serment. Non pas. Maintenant, observez. Voyons le reste du sacerdoce. Sacrificateur, les Lévites ont juste droit honnête. Les sacrificateurs les sont devenus sans serment. Dieu a tout simplement dit que c'est selon l'ordre. Selon l'ordre d'Aaron qu'il a établi ses sacrificateurs. Ils se sont succédé de génération en génération. Ah bon, écoutez, ils sont allés à l'école pour apprendre à être prédicateur. Hein? Et qu'est-ce que j'encore? Ils se sont succédés. Ainsi, Dieu les a fait sacrificateurs comme cela. Ils se sont fait eux-mêmes sacrificateurs. Pourtant, la vie, Dieu dit là, on prend, c'est lui qui a fait, mais là, il dit qu'ils se sont fait eux-mêmes. Par leurs instructions, par leur héritage, etc. Mais cet homme a été fait sacrificateur par un serment que Dieu avait fait. Là, il parle de qui? De Jésus, Melchisedec. Mais cet homme, si vous lisez le contexte, vous comprendrez qu'il parle de Jésus ou de Melchisedec. Écoutez attentivement maintenant. Ils sont devenus sacrificateurs sans serment. Voyez là, Jésus l'est devenu. Avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, mais il ne se repentira pas. Amen. Amen. Tu remplaces qui? Sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela le garant d'une alliance plus excellente. Est-ce qu'on doit jeter cette citation? Est-ce qu'on doit la croire? Qu'il y a
Bible faisait un débat avec quelqu'un, dit tout ce que tu regardes du prophète, j'ai déjà dit Amen. Et on sera là et par correspondance, on sera où pour aller et le Dieu va s'agir. Ça a une signification. Et ça, elle dit pour la meilleure. Mais vous voyez, ça, c'est pour ça que vous allez comment maintenant, rapidement, vous de plus il y a des sacrificateurs en grand nombre. Mais si ma maman a dit qu'elle est belle, parce que la mort les empêchait d'être permanents. On va ajouter une deuxième caractéristique. Vous voyez, pour la mort, le sacerdoce aaronique, c'était sacerdoce. Et puis, la mort les empêchait de continuer. Leur sacrificateur était transmissible. Ça passait d'une personne à une autre. Quand Aaron est mort, on a pris quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un d'autre est mort, on a pris quelqu'un d'autre. Mais dans l'ordre de Melchisedec, c'est intransmissible. Maintenant on dit Jésus. Mais observez-le. Mais lui, il est lui qui est Jésus. Jésus. Parce qu'il t'aimait toujours. Éternel. Ça trouble. Il t'aimait comment? C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Il n'a jamais sauvé une mouche. Il n'a jamais sauvé une mouche. Ça vient d'où ça? Et où tu vois, puis aujourd'hui. Il nous convenait d'avoir et c'est un
souverain sacrificateur comme lui. Saint. Innocent, saint, séparé des pécheurs, un souverain sacrificateur dans le ciel, regardez, dans la 70e semaine. Au milieu de la semaine, un roi devait être étranger. Daniel 9, 26. Après les 62 semaines, un roi sera retranché. Il a un sacerdoce. Vous voyez, troisième exode. Vous voyez, on doit commencer à effacer les écritures. Mais ceci ne contredit en rien la divinité Branham. Ça confirme. Parce que ça doit être toujours oui. Lisons d'abord. Combattre pour la foi. Total du 20 juin 1955. Paragraphe 10. Direction. C'est un saint homme. Azali Moussan Poubeta Pani. Si je le touche, je serai guéri. Ce qui n'a si bien selon la foi. Et elle a touché. Elle a regagné la foule. Beaucoup de gens faisait passer les bras autour de lui. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Et Pierre a dit, eh bien Seigneur, eux tous te touchent. Et c'était un genre de toucher différent. Parce que il a dit une vertu. Ou une force. Est sortie de moi. Et il a regardé tout autour. Il a dit, ta foi t'a guéri. C'était Jésus hier. C'est Jésus aujourd'hui. Et ça sera Jésus. Amen. Amen. Mais il change de nom. Hier, il s'est appelé Jéhovah. Aujourd'hui, Jésus. Éternellement, il a un nom. Cette personne ne connaît. Prêché en Allemagne, en Allemagne du 15 août 1955. 18. Remarquez, il a dit, nous savons, nous les Samaritains, nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Mais toi, qui es-tu?
Voyez-vous, mes amis, c'était là le signe même du Messie. Comprenez-vous? La femme a dit, moi c'est l'obit. Quand le Messie viendra, et c'est Jésus, Jésus. Il fera ces choses. Il sera en mesure de savoir à quoi nous pensons. Il va discerner. Quand Jésus viendra, il va discerner les pensées. Il sera en mesure de nous révéler nos péchés. Yo, tu es dans, je t'ai vu dans une chambre avec la femme d'autrui. Na moisi abati. Heureusement que tu as sauté par la fenêtre. Au salut, madame, pour sauter. Il sera en mesure de révéler vos péchés. Pérégrine avec sa femme. Pérégrine, c'est chamaï. Pérégrine, na moisi, c'est votre soin. Mais moi, vous n'avez pas fait ça. Tu as fait ça. Vous n'avez pas fait ça. Allô? Oui, c'est Fred Dili. Il faut croire ta femme. C'est que tu dis là la vérité. Quel est ce trop? Je commençais à avoir peur. Pendant même dans ma chambre. Pérégrine, nous n'étions pas cachés. Pérégrine, comme les soignants, je devais être gagné une heure. Tu es en train de te charmer avec ton épouse. Comment lui sais-tu ça? Et il t'appelle au même moment. Le Messie sera capable de faire ça. Le Messie sera capable de faire ça. Amen. Amen. Philippe Paul. Je préfère appeler à l'école. Des fois, Philippe Paul, écoutez, Yoka, toi avec ton père. Jonathan, t'as nos bras, moi. Vraiment un disciple devant la voiture. Attention, hein. Mais c'est l'école, hein. C'est un prophète. Oh, celui prophète, celui qui n'a pas le quoi, papa. Il est pour son emploi. Il est pour aller à dans le bureau. Allô? Allô? Oui, c'est le révérend Branham. Oui, ça vient d'aller. J'ai tout suivi. Dans le vrai. Mais ça dans le faux par cette
cette puissance surnaturelle. Mais toi, qui es-tu? Es-tu un prophète? Jésus a dit, je le suis. Nazali Massie. Amen. Je suis le Messie. Nazali Massie. Je le suis. Moi qui te parle. C'était Jésus hier. L'homme le dit Azala qui est. C'est Jésus aujourd'hui. L'élo Azali est. C'est Jésus demain. L'homme Azali est. C'est Jésus. Et il le fera au siècle des siècles. Vous avez été mal prêché, vous avez vu? On pensait que en prenant Dieu, signifie Jésus n'est plus Dieu. Et là, c'est obligé de se l'examiner. Non. Et Mais Jéhovah l'a servi Jésus, Jésus l'a servi Branham. La même divinité qui change de forme et qui change de nom. Et Dieu est plus parfait en toi. Quand il atteint toi, il atteint la perfection de sa révélation. C'est lui qui a quoi? La sacrificateur qui est intransmissible. Vous avez été mal enseigné. Excusez-moi de le dire. La manière dont on a présenté la divinité vous met en conflit avec la Bible et toutes les citations qui me passent. On a planté la haine, le mépris, et puis finalement il est le diable aujourd'hui. C'est toi-même qui es le diable. Parce que tu ne comprends pas. Oui, que nous sommes sur la Amen. Et 9, 11 à 12. Mais Christ, parce que Christ est venu comme souverain sacrificateur. De bien à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits. Il n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non, avec les saints de bouc et de veau, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption partielle. Alors ne le tuez pas encore la deuxième fois. Okay. Il a payé, il est mort combien de fois? À coup fois à la poli. Il est entré une fois pour toutes. À quoi dans la mort signé. Ne faut pas tuer encore William Branham comme un sacrifice. Pour chercher un jour d'adoration. Pour la bonne voix, tout ça me l'a géré tout m'a créé. Hein? Ça c'est la deuxième caractéristique. Wana et Pour Aaron, c'était sincèrement.
Nadab, Aaron avec quatre enfants, Abihu,
Eliazar et Itamar. Na Itamar. Maintenant, dans Nombre 3, 1 à 3, c'est là où vous allez voir, on dit, ce sont là les noms de fils d'Aaron qui reçut l'onction comme sacrificateur. Donc au troisième niveau ici, ce sont les enfants d'Aaron. Moïse le frère, son frère Aaron, souverain sacrificateur. Et les enfants d'Aaron, ce sont des sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez comment Dieu a travaillé? La même famille. Il y a eu seulement rupture avec le premier ministre. Mais que tu vas corriger vite. Parce qu'on dit qu'on se souvient sincèrement. On va un peu, on peut terminer sur ce point avec le premier ligne. Vous savez, les enfants d'Aaron, on peut rentrer dans. On quitte un peu le tableau. Les enfants d'Aaron avaient pour mission de garder le tabernacle et de faire le sacerdoce entrer dans le temple. Donner les parfums, mais dans le sein des saints, il n'y avait que Aaron seul qui pouvait y avoir. Mais il y a une chose particulière qui s'est faisait. Quand on mettait le sacrifice sur l'autel, le feu sautait du lieu saint de saint. Et venait consumer le sacrifice. C'était mystérieux. On n'allumait pas le feu avec les allumettes. Donc, vous amenez votre sacrifice. On se sent dessus. On tient ma main au niveau. Les gauche. Alors, on a cassé. Il n'avait qu'à le mettre sur l'autel. Vous allez dire, mais c'est vrai ça? La Bible vous a prouvé ça avec Élie le prophète de Baal. Il a dit, mettez, invoquez votre Dieu pour qu'il construise, rien ne s'est passé. Nadab, Abihu, Eliazar et Itamar. Deux d'entre eux ont commis une erreur grave. Mais par les quatre, allons dans le Lévitique 1, 7 à 8. Donc, il y a un mot de l'air, un mot qui nous manque. Mais il continue. Continue encore. Attention. Dès que tu vois. Ah, voilà. Le fils du sacrificateur Aaron, mettront du feu sur l'autel. Mais pas avec l'allumette. Non, allumette. C'est comme Élie qui devait le faire. Et Aaron, tu bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront le morceau, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Lévitique 1:11. Il égorgera au côté septentrional de l'autel devant l'Éternel. Et les sacrificateurs fils d'Aaron en répandant le sang sur l'autel tout autour. C'était ça leur travail. Lorsque vous lisez maintenant Nombre 3:4. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel. Nadab et Abihu lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Dans les déserts de Sinaï. Ils n'avaient point de fils.
Éliasa et Itamar exercèrent les sacerdotes en présence d'Aaron leur père. Ils ont apporté étrangers. Parce que nous avons dit que le feu venait de Dieu lui-même. Lévitique 9:23-24. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. On dit quoi? Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel de l'Holocauste. Tout le peuple le vit. Et ils poussaient des cris de joie. Et ils se jetaient sur leur face. Parce que vous voyez le fils du tout. Ça consume. Et tout vit. Dieu était un Dieu miraculeux, c'était effrayant même. Et cela qui m'a dit qu'il présente, ça ne veut pas dire ça. Mais quand on dit que Abihu et Nadab amenèrent le feu étranger, c'était le feu fabriqué. Quand on dit Abihu et Nadab amenèrent le feu étranger, ils ont dit qu'il n'y a pas de feu. L'onction fabriquée. Pour pas que la maille au bout de mon mot, vous savez. Un ministère. On ne force pas le ministère. On ne cherche pas le miracle fabriqué. Ils ont Lévitique 10:1-2. Le fils d'Aaron Nadab et Abihu prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Certainement qu'ils attendaient peut-être que les feuilles qui t'ont quitté. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'ils ne leur avaient point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel. Et le consumant. Et il mourut devant l'Éternel. Et il prit pour ça, c'est pour être père évangélique. Soyez vous. Amen. Ne cherchez pas du fabriqué. Soyez ce que vous êtes. Amen. Et Dieu va travailler avec vous tel que vous êtes. La première chose, c'est que tel que vous êtes là, personne n'est comme vous. Yes. Vous êtes unique. Yes. Vous voulez sortir votre caractère unique pour devenir comme quelqu'un d'autre. Parce que déjà vous êtes unique. C'est que vous êtes spécial. Ouais. Parce que personne ne peut être comme vous. Ouais. Découvrez seulement vos talents. Yes. Découvrez ce que vous êtes et travaillez par rapport à ce que vous êtes. Ne cherchez pas du fait étranger. Dans le pentecôtisme aujourd'hui, ils sont allés chercher le fait étranger. On fabrique même des miracles en payant déjà l'argent. On va te payer 50 dollars. Il faut tout ça là-bas, beaucoup là-bas, casse. Je te paye ta tête, mon pari, mon pari, mon pari. Ma tchao, plan.
Et on va prendre les gens dans des coins reculés. Qui sont c'est toi qui vas là. Je vais prier dans le balai. Alors, on te le gagne. Ah oui, j'en ai un secret de là. Maman, il y a un plat. Ah, j'ai dit quelqu'un, le problème est pas, on vient le plaquer. Ah, ça va la jouer. Je vous dis, on joue avec les gens. Si ce temps ne marche pas, avant de ne soit pas laissé habiter à l'Isénien. Le banana au sacolité. Pour les modèles fausses à l'Isénien. Oh, il y a une débat. Tu commences à faire ta peau de geste là. En tout cas, ça va vous m'avez. Et quand l'homme va, on va des... Mais les gens tombent évanouis. D'émotion. Tout ça, le prophète de Jésus. Le prophète général. Mais Péri vient à Bissano. Péri vient à Bissano. Il a témoigné. Attends, avant d'arriver chez Branham. Il y a quoi avec Branham? Il était dans une église. On a regardé une grande campagne. Alors, il était aussi proche de ses pasteurs. Il y a pasteur. Lui, on l'a mis comme les gens du protocole. Alors, son ami protocole, ils travaillaient ensemble. Le premier jour, il a vu et il a retenu, il a vu même mis ses pantoufles. Le deuxième jour, il a quand même un état là. Il est malade, il ne sait même pas marcher. Il est comment paralysé. Ça fait 10 ans qu'il est paralysé. Vous êtes avec lui aux États-Unis. Péri a parlé de ça. Péri a parlé de ça. Avec lui. Tu sais qui le béni? Il regarde le Il dit c'est pasteur à prier ça. Il dit ça, toutes les émotions, les gens sont tombés évanouis. Pasteur a semblé malade le compteur des faux malades à télé, il bat, tu m'as foué. Mais il dit je suis allé voir le pasteur. Ah, qui est le pasteur? C'est pasteur. Mais ces messieurs-là, nous tournons les faux malades. Il était protocole, on a causé avec lui hier. Avec le protocole, tu souviens dans le monde. Il marchait, on était avec lui. On fait ça pour la gloire du Seigneur. D'autres font des fétiches. Ils voient des cachets. Ils font des choses. C'est ça le fait étranger. Mais si tu es serviteur de Dieu, attends jusqu'à sec. C'est là qu'ils ont été. Le feu du ciel allumera ton ministère jusqu'à ce que. Amen. Maintenant, le premier né là qui était au tableau, c'était le premier né de toutes les familles d'Israël. Qui venait après le sacrificateur. Pour la petite histoire, quand est-ce qu'il y a eu l'assemblée de prière? En Égypte, Dieu s'est décidé de tuer tout le premier-né. Qu'il fallait tuer tous. Même ceux des Hébreux. Même des animaux. Ce n'était pas qu'il allait tuer seulement le premier-né égyptien. Sa décision était que tout le premier-né puisse mourir à cause de sa colère. Exode 11, 5.
Vous pouvez vous demander comment à moi la libosso. Si tu es fils aîné, garçon, mon pari, mandacolé. Il est pas au pays dans l'Égypte. Et tous les premiers mourront dans le pays d'Égypte. Je prie le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la mer et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Venez écouter. Le même Dieu qui vient avec la condamnation. De l'agneau, mettez sur les lintons et sur les portes. Tout premier-né qui sera sous les signes, moi je verrai les sangs, je passerai par des signes. Maintenant, il y a les signes et l'alliance. Il y a l'alliance et les signes. Là, c'était l'alliance avec Abraham. Ici, c'est les signes. Amen. Il serait frappé. La solution pour Dieu, c'était soyez derrière les signes. Le sang, c'est le nom. Le nom, c'est la vie. Vous êtes caché derrière le nom. Et il appelle ce nom aujourd'hui le signe éternel. Qui est notre protection? Alors, ça devait garder qui? Le premier-né. Le deuxième n'était pas concerné. Tu peux le mettre dehors. Le deuxième n'était pas concerné. Si tu sais, c'est pas que Dieu est le fils. Dieu avait condamné. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Lisons Nombre 3, 13. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Car tout premier né m'appartient. C'est-à-dire quand il a épargné le premier-né hébreu, à partir de ce moment-là, Dieu a dit, tout premier-né, moi, m'appartient parce qu'il était mourir. Mais il a été racheté par un agneau. C'est moi qui ai donné cet agneau. Donc le premier là,
premier né là est pour moi né libosuana c'est ça qu'on appelle l'assemblée de premier né Et tout ce groupe là composé, c'est ce qu'on appelle le premier. Amen. Car tout premier né m'appartient. Les jours où j'ai frappé tous les premiers nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers nés en Israël. Tant des hommes que des animaux. Bas à la batte, tout bas à la bannière. Et ma patrie, papa, vous allez. Yoga. Petite parenthèse. Moi, au fond, voilà. Est-ce que vous comprenez quoi? L'histoire même de sa rencontre, l'histoire de la dîme et du premier-né? Vous voyez, et le père t'a dit, soleil, à mon point de jour, mais dans mon tu fais ton chant. Il y a Elangana au chant des Hébreux. Et pas bébé, non? Le premier fruit. Ce n'est pas pour toi. Il dit ça m'appartient. Tout premier né, tout prémisse m'appartient. Nous soit dit osso, moi n'a soit dit osso, et l'homme n'a soit dit osso, il y a Zambé. Est-ce que vous voyez ça? Vous et c'était une loi. Et c'est là qu'il m'a fait. Maintenant écoutez, lisons Hébreux 11, 28. Peut-être que vous avez un peu de temps, c'est par rapport qu'il fit la Pâque. Et là, on demandé, bah, et la situation d'histoire a fait que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Et ça est toujours 23. Mais vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, le myriade qui forme le cœur des anges, et l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Le premier-né, l'esprit des justes, parvenu à la perfection. Le prémisse de la première résurrection. Alors le premier-né. Alors Branham dit maintenant, l'épouse aujourd'hui, le membre de l'épouse est une dîme des hommes sur la terre. Ah. Et ça salit, mon bon azombi a battu à ma mêlée. Ce sont le premier-né. Et c'est eux qui sont concernés par le sacrifice. C'est eux qui ont été rachetés. Premièrement, c'est eux qui ont été condamnés. Et c'est eux qui ont été rachetés. Les autres membres de la famille doivent tout simplement s'aligner derrière le premier-né. Le premier né. Et il dit que c'est l'épouse. C'est l'église. Maintenant, pour terminer. Dieu, maintenant, il a regardé. Tous les premiers m'appartiennent. Il devait prendre tout le premier né et ramener les tableaux là. Les mettre sous à les fils d'Aaron. Pour qu'il travaille au pied de fils d'Aaron. Mais Dieu a dit, je vais faire une compensation. Comme là, c'est un Lévi. Au début, avec Moïse, c'est un Lévi. Pour l'aide de Lévi, Lévi, Moïse. Les souverains sacrifices, c'est un Lévi. Dans l'exemple, Lévi. Les sacrificateurs sont des Lévi. Maintenant, je veux racheter. Nassi Kola. Tous les premiers nés par les Lévi. Vous êtes avec moi. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Toi, premier né. Au lieu que je te prenne. C'est Lévi qui te rachète. Je prends ces Lévi.
Je prends un Lévite à la place d'un premier-né. Il a remplacé tous les premiers-nés par des Lévites. Tout l'assemblée de premier-né devient l'assemblée de Lévites. Pour chaque premier-né, un Lévite. Écoutez, même pour les animaux, on devait les racheter même par argent. Mais on va en parler. On n'achetait pas le mulet. Sauf le mulet. Lisons. Malade. Exode 13, 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né. Il faut aller vraiment en bas, j'ai sauté beaucoup d'écritures. Exode 13, 1 à 2. Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Exode 13, 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Maintenant, je me demande, il y a combien d'années. Quand on n'est pas racheté, est-ce que vous comprenez? Tout âne qui n'est pas racheté, on doit lui briser la nuque. Et il va penser, va poser du coche. Et les rachats aujourd'hui, c'est Malachika. C'est le message de l'homme. Quiconque n'est pas racheté, on doit lui briser la nuque. Et c'est lui, alors, il peut y avoir un bicoche. On a dans la nuque, quand il bicoche, il y a le cerveau. Il ne comprendra rien. Donc, à ta bataille, le petit lobby, vous pouvez tout expliquer. Comprenez qu'on a des babonsiers déjà. Pourquoi tout ça la tête parce que pas de ça du conseil. C'est la loi des dieux. Il ne comprendra pas. Attendez, il y a votre chose sur la tête. Parce que ma bouquille est coche. Ma bonsier déjà, c'est ma moutou. Tu vois le fils de l'homme. C'est qu'Abraham m'a vu là. C'est ce que nous verrons. Oh, tu te demandes. Disons. Exposer les sept âges, on ne pas ça. Bouton de Kéké Namagon, aussi c'est bien. Page 124, comment folio de Shekinah. Shekinah. Vous parlez d'hybride. Yoso là, vous savez ici. Savez-vous quel est l'hybride le plus connu du monde? Oui, mais il y a moins un serein. Il est avec nous depuis très longtemps. Tout cela, c'est le mulet. Vous allez me parler. C'est le croisement de l'âne et du cheval. N'importe. C'est un curieux animal. Il ne peut pas se reproduire. Il n'a pas de vie qui puisse faire cela. Mais parler d'un travail. Il travaille plus dur que le cheval ou que l'âne. Oh, la question de mission. Oh, je vais en chant de mission. La chaîne a 40 jours. Oh, je vais 40 jours. 5 jours. 5 jours. Maman, 5 jours. Il travaille plus que l'un de les chaînes. Ah, vous allez la haine. Il est trop. À sa moto, c'est le moto. Attaque encore. Il travaille plus dur que le cheval ou que l'âne. Mais observez sa nature. Quand il t'a
il était Dieu. On ne peut jamais lui faire confiance. C'est l'illustration parfaite de la religion hybride. Il y a un croisement des lumières et des ténèbres. Car le cheval peut être pundre. Et le type du vrai croyant et l'âne est celui de l'injuste. Voilà pourquoi on doit les racheter avec un âne, un âne. Mêlez les deux et vous avez une religion stérile, formelle. Elle n'a pas la semence de vie. Elle est morte. Elle couffe. Elle parle de la vérité. Mais elle ne peut pas la produire. Parce qu'on sait que la bosseuse est un peu plus de temps. Je n'ai pas en elle. Et pourtant, Kasi, elle se rassemble. Basanganaka. Pour parler de Dieu. Tout en régnant systématiquement sa puissance. Écoutez, il régnit la parole au nom même du Seigneur. Au nom de Jésus. C'est un massage. Il régnit la parole au nom même du Seigneur. Il n'y a jamais d'espoir pour eux. Vous rendez-vous compte qu'aucune religion organisée n'a jamais eu un réveil? Jamais. Et la une fois qu'ils ont formé une organisation, ils sont morts. Ils ne pourront jamais revenir. Non, monsieur. Je vais vous montrer cela en type. Tu rachèteras avec un agneau tout premier né de l'âne. Et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier né de l'homme parmi tes fils. Voyez-vous, l'âne peut être racheté. Tout malheureux pécheur peut être racheté par les sacrifices sanglants de Jésus-Christ. Ou s'il rejette Christ, être lui-même rejeté. Mais si on ne rachète pas le mulet. Il n'y a pas de rédemption pour lui. Il n'y a pas de sang pour lui. Ce n'est pas possible. Parce que le mulet trouve refuge dans l'église. Alors que l'âne trouve refuge dans le sang. Le mulet n'a pas en lui de sémence. Qui puisse être vivifié. Mais l'âne, lui, a une sémence. Alors on devait racheter même l'âne qui symbolise un pécheur pas un agneau. Mais chaque premier-né, on les rachète avec un Lévi. Maintenant, il s'est passé quelque chose sans lire. Il y avait déséquilibre de nombres. Il y avait plus de premiers-nés que le membre de la tribu de Lévite. Il y avait 278 premiers-nés qui manquaient de Lévite pour les racheter. Tous les Lévites, Basili. Maintenant, on est resté avec 278 premiers-nés. On va faire quoi? Alors, Dieu a dit à Moïse que le parent de ces premiers-nés vous donne l'argent.
peut servir de bon pour eux. Pour la base. C'est quoi? Parce que c'est vrai qu'il était con, il pouvait mourir. Ouais, mais pas vraiment au coup, mais. Vas-y. Un lévite achète. Comme ça, ton premier ne peut s'en aller. Ah, wana mwana kumi lévite. Le lévite le représente. Wana lévite, je suis. Ton premier ne peut s'en aller. Y'a un mwana qui est d'accord. Ah, que nous lançons la commerce. Ah, va faire ton travail. Yo, que nous sommes au bilan. Va faire ton champ. Nos premiers ne sont pas au lieu. Allez. Mais il n'y a plus de lévite. Bon, bah, lévite, si, on en sort. Bon, ce qu'on lia, c'est la libre, qui est un qui est le loufou. Qui là, il y a loufou, plein de personnes. Allez, paye, pour lui. On lira ça le vendredi. Pour autant, pour l'amitié. On donnait l'argent. Vraiment, vous faites un bon. Et on a donné l'argent de tous les premiers-nés en surprise. Et ça, c'est plein de choses. Est-ce qu'il y a qui va. Et vendez maintenant les tableaux là. Donc, c'est un d'avant. Non, non. Descends seulement, juste, il y a un autre tableau dans les tests. Et t'as un d'avant, c'est ça, on en a émetté. Non, non. Ce tableau-là est loin. Remettez les tableaux-là. Donc, il s'envoie une histoire. Justement. Alors, à la place, à la quatrième position. Mais si, non, il n'y a plus de premier-né. On met là les lévites. Qu'est-ce qui se passe maintenant? À la tête, c'est un lévite. Souvent, le sacrificateur est lévite. Le sacrificateur est lévite. Et les premiers sont les lévites. C'est toute une. C'est une tribu. C'est un village. Amen. Ça prouve que Dieu travaille avec une seule famille qui est liée par son sang. Et ce sang-là, c'est le sang de l'épouse. C'est la parole. C'est ce peuple-là qui a le droit de servir Dieu. Et après, selon l'ordre-là, alors on verra comment maintenant les 12 tribus vont se placer en dessous. Et on verra maintenant comment ils étaient campés dans le désert. Ils ne s'asseyaient pas n'importe quoi. Ils mettaient l'arche. Ils avaient, c'était un trône. À deux boucliers. Et là qui m'aide de voir la visible de l'image. Et au milieu l'arche. La katika c'est une fandi sandou. Autour de l'arche. Ziga ziga la sandou. C'était les lévites qui n'est plus appelé une tribu. Et là qui va aller où ils ont besoin de se décoller. Ce n'était plus une tribu. On les a ôté de nombre de tribus. Alors moi la voix qui n'a décollé va se décoller. À l'est. Namonielle. C'était Aaron et ses quatre fils. Et ailleurs, c'était les, parce qu'il y avait les, il avait trois fils de Lévi avec leur famille. Et l'arche était au milieu, le sanctuaire. Maintenant, les 12 tribus aussi étaient ici au nord avec Dan, avec sa bannière. Et tous les 12 tribus s'étaient aussi entourés, donc c'était la première garde du trône. Et la deuxième garde, c'était la ligne de Lévi. Ce qui veut dire pour arriver à leur entrée talisman, vous devez combattre et détruire les 12 tribus. Venez détruire les lévites. Et alors vous arrivez à leur talisman. Ce talisman, on le voyait. Amen. On le voyait. Mais c'était gardé pour que les gens n'y accèdent pas. Ah, c'est là où il y a notre doctrine de la garde du trône. On ne veut pas. Seuls ceux qui sont le bienvenu, par le sang du sacrifice, avaient accès. Et ils s'élevaient dans un rythme pour continuer le voyage. Ils commençaient toujours le voyage avec l'Est. D'une manière comme un tourbillon. Ils allaient comme ça.
flocs, ils avançaient comme ça. Car Dieu est dans un tourbillon. Il ne marchait pas n'importe comment. Et quand ils avançaient, il y avait Moïse à la tête. Il y avait les souverains sacrificateurs. Et il y a des sacrificateurs qui portaient l'arche sur leurs épaules. Les tribus étaient loin. Mais jusqu'à. On laissait une distance. Et à la tête, c'est Moïse. Moïse de la Bible. Amen. Amen. Et c'est ça l'ordre. Nous avons quelqu'un à la tête. Nous avons des pasteurs. Nous avons des apôtres. Et le peuple marche en symphonie avec l'ordre. C'est une famille vouée à l'échec. Nous sommes à l'ancêtre et on ne badinait pas. Un jour, un monsieur a voulu toucher l'arche. Pour aider Dieu. Il aimait la parole. Il est mort sur place. Et Branham a tiré tout un enseignement. Rendre un service. Aussi, il est dans un c'est dans l'ordre. Tu as appelé à faire un travail. Mais attention, si tu es une porte, si vous êtes bouclé, ne va pas te placer à la fenêtre. Pour que le métier en est signé, ça n'ira pas au cas de ma mère. Comment tu vas dire enfant? Fenêtre va bouclé. La fenêtre est ton petit. Moi aujourd'hui je suis la fenêtre. Comment tu vas la porte? Et si tu as une fenêtre, ne vois pas la place de la porte pour que les signes vous aident. Et chacun doit connaître ça pour monter. Non pas dans l'église locale. Dans le corps. Voilà t'a appelé pour moi. Et le péché, c'est manquer le but. Ne pas connaître pourquoi tu es appelé dans le royaume. Branham a donné plusieurs ministères. À l'église, même à 5 ministères. À dit la femme qui parlait à l'église, c'est un ministère. Il ne va plus loin, même l'homme qui va au bureau, c'est un ministère. Ah, là, on travaille, là, Branham a fait ça ton ministère. Parce que tu serviras, tu en auras. Au travail. Tu es redevable vis-à-vis de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.